Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à un son de Des Bordeaux Likounfa featuring DJ Arafat. C'est un son qu'on m'a proposé dans les commentaires de Basma Conan. C'est ça, ou sinon c'est Basma Conan. Je sais pas exactement comment le dire, mais en tout cas, grosse force à toi Basma Conan. En fait j'étais en train de faire le son de Des Bordeaux. Et je l'ai posté et tout, après j'ai vu les commentaires, ils me demandaient ouais, faire ça. Et après il me dit, en fait déjà j'avais vu dans la page Wikipédia quand j'ai fait la vidéo qu'il y avait un son avec DJ Arafat. Et je me suis dit mais ça doit être étonnant quand même de voir le son avec DJ Arafat, les deux mélangés et tout dans le style. Je me suis dit il faudrait que je fasse voir, mais je vais voir ça plus tard ou la prochaine vidéo ou dans, quand j'aurai le temps. Et je vois dans les commentaires ça commence déjà à chauffer, je me suis dit allez vas-y, j'ai un peu de temps, je vais le faire. Et donc force à toi, Basma Conan. On va checker ça. Par contre, le son que tu m'as demandé, gros, il est pas de bonne qualité. J'ai checké là, le son, il est pas ouf du tout. Le son là, il est on n'entend rien du tout en fait. C'est ça qui est dommage. On entend que dalle en fait. Je peux rien faire là. On entend rien du tout, au pire je le ferai la prochaine fois, je trouverai un autre son, je verrai comment je vais faire, mais je vais faire un autre pour l'instant, juste histoire de au moins envoyer du Des Bordeaux et DJ Arafat pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait. En fait j'étais curieux de voir un peu le niveau, la qualité, le style de l'époque, en plus ça date de 2008, peut-être combien, de 12, 13 ans, un truc comme ça. Donc on va voir, donc let's go. Et allez, celui-là c'est Pangor version Abidjan. Je sais pas si c'est vraiment modifié. Nouveau concept qui a pris le pouvoir Abidjan en 2008. DJ Arafat featuring Des Bordeaux Likounfa. Voyons voir le Pangor avec. Dingue, hey, les images dingueries. Tu vois Arafat comment il est, et Des Bordeaux. Ah ça date. Oh les clips et tout. Hey, ça devait cartonner ces trucs là à l'époque en plus. Je suis sûr. Ça devait être un truc de ouf ça. Putain les clips, comment ils ont évolué les gars. Oh là là, c'est un truc de ouf. Il y a toujours la même ambiance hein. Ça c'était avant le style de Arafat avec les lunettes et tout là. Dingue, ma vie qui tape des barres, ma vie. C'est bien, c'est vraiment les clips de l'époque, tu vois, avec tout ce qui va avec. La musique est toujours là. Hein.
a toujours le même style de rythme qui est toujours présent. Attention. Ça me tue ma vie. Ah, ils font des queues de regard. C'est bien, tu vois, ils se prennent pas la tête, ils font leur truc et tout, ils sont chauds. Tu vois, ils sont chauds, ils sont déter. Ils t'envoient là, ils voient la caméra là. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Des Bordeaux Arafat. Intéressant quand même, intéressant. En tout cas, doucement cette apologie là. Attends, on retire ça. Intéressant à voir. Bon, c'est sûr, c'est clip de l'époque, le son un peu plus d'époque, mais tu vois, il y a toujours un petit truc quand même de. Le rythme, il est toujours là. Le rythme de base sera toujours là dans ce style-là. Il bougera pas. Après, il évoluera avec son temps, comme dit Arafat l'a fait dans ce style-là même. Et c'est dingue comment ça évolue. Hein. Ah, c'est fou comment ça évolue. Mais les deux ensemble, ce que je trouvais bizarre, c'est que j'avais vu une vidéo. Il y a écrit la réconciliation. Quand je tapais Didier Arafat et Des Bordeaux, ouais, annonce. Non, c'est quoi? C'est. Il y avait écrit un truc là, je sais pas quoi. Genre à la réconciliation, je pense que c'était ça. Réconciliation de Des Bordeaux, les Kounfa et Didier Arafat. C'est ça qui était. Je sais pas, il y a eu quoi entre les deux? Il y a eu un truc où je sais pas c'était quoi, je sais pas pourquoi il y a des vidéos de la réconciliation, je sais pas il y a quoi, vous êtes sûrement mieux informés que moi sur ça, si vous avez des informations, pourquoi il y a des vidéos comme ça. Et en tout cas, écoute, ça fait c'est marrant en fait de voir les clips de l'époque et tout, tu vois les gens ils se prenaient pas la tête, danse à l'époque comme ça, tout ça, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est calibré, détaillé, avec précision, avec ça. Après je sais pas si à cette époque là Arafat et Des Bordeaux ils étaient cotés comme ce qu'on sait de Arafat avant qu'il part et Des Bordeaux aussi, je sais pas s'ils ont la même cote qu'à ce moment là ou bien c'était des petits entre guillemets, enfin je sais pas exactement, mais je sais pas en fait s'ils pesaient déjà dans le game du son ou pas. En tout cas, intéressant à voir en fait, tu vois, quand ils sont jeunes et tout, ils arrivaient, on dirait, ils commençaient leur truc, commençaient à ramener leur façon de faire et tout. C'est étonnant. Après, je vois pas non plus d'évolution au niveau du son, tu vois. J'ai pas vu encore le Arafat qu'on connaît après les gros sons qu'il a sortis, les motos, les etc., les trucs comme ça. Mais parce que après je pense qu'il y a eu il y a quand même 2008 et jusqu'à 2018-2019 où il y a eu un gros changement je pense quand même entre 10 ans comme ça, 10-11 ans. Donc intéressant de voir comment ils ont envoyé ça avec Didier Arafat. En tout cas intéressant. Cool. Donc merci de me l'avoir suggéré. Et on va en faire sûrement d'autres des Bordeaux aussi. Parce que Didier Arafat, j'en ai fait tellement déjà. Je sais même pas si j'en ai que j'ai pas fait déjà. Donc en tout cas, cool à voir. Et écoute, voilà. On se quitte dessus, on se dit à la prochaine. Et ciao.